Bonjour à tous. Bonjour. On va vous présenter notre prototype de déambulateur motorisé. Donc c'est un prototype, hein, c'est important de le souligner. Donc on l'a réalisé avec Nicolas Métrojean, Emmanuel Barzic, Thibaut Corral, donc Jean-Baptiste Pain ici présent et moi-même, Maxime Loya. Donc je vais d'abord vous présenter la partie puissance, la partie commande. En règle générale, on va parler du câblage. Et Jean-Baptiste s'occupera de la partie motorisation. Tout à fait. Voilà, donc intéressons-nous d'abord à la partie commande qui se situe au niveau des poignées. Alors, on peut voir ici deux boutons poussoirs, le rouge à droite et le gauche, c'est le vert. Donc, ces deux boutons poussoirs permettent de tourner respectivement à droite ici pour le rouge et à gauche ici pour le vert. Hein. On a voulu simplifier la commande et donc on trouvait que les boutons poussoirs étaient assez intuitifs. Parlons maintenant de l'interrupteur 3 positions. Alors c'est intéressant parce que nous avions besoin en fait pour le déambulateur de 3 positions. La position 0 c'est donc la position d'arrêt, aucun courant ne circule dans le déambulateur. La position avant permet une marche avant et la position arrière permet certes une marche arrière mais c'est surtout une position qui permet de s'asseoir sur le déambulateur et d'aller dans ce sens. Voilà, c'est une petite fonctionnalité en plus. Il peut donc s'apparenter quasiment à un fauteuil roulant. Donc vous avez peut-être remarqué, mais quand je me suis mis dans cette position arrière, j'ai tenu dans ma main la petite manette suivante. Alors en fait, c'est l'équivalent de ces deux boutons poussoirs que je vous ai présentés précédemment, mais c'est juste qu'on a voulu le mettre sur une manette pour que ça soit plus agréable, plus confortable à diriger. Voilà, donc on utilise seulement les deux boutons noirs. On peut voir ici le bouton pour tourner à gauche et ici le bouton pour tourner à droite. Un autre bouton cette fois bistable. Ce bouton en fait permet de couper l'information de commande de la vitesse. Ici pour notre prototype on a utilisé un potentiomètre mais je vous en parlerai un petit peu plus après. Voilà donc en fait c'est un bouton, on pourrait résumer un bouton d'arrêt pour la marche arrière. Car ce n'était pas possible en fait avant dans notre... notre premier prototype, c'était pas possible. On a rajouté donc ce bouton pour s'arrêter en marche arrière. Donc maintenant le potentiomètre. Donc le potentiomètre permet un contrôle assez précis de la vitesse. On peut voir ici deux bornes, moins et plus. Donc si on tourne dans ce sens, on réduit la vitesse. Et si on tourne dans l'autre sens, on long. Donc là, on se trouve en position 0 sur l'interrupteur 3 positions. Donc là, vu ma position, eh ben, je vais aller en marche arrière. Donc, je sélectionne la marche arrière. Ensuite, j'autorise la commande du potentiomètre en appuyant sur ce bouton rouge bistable. Et enfin, je sélectionne ma vitesse. Voilà. L'alimentation de notre système est donc assurée par des batteries qui sont situées dans ce sac-là. Donc, elles sont dans cette boîte ici, que nous avons confectionnée nous-mêmes. Elles sont là, elles sont trois. Trois batteries de 12 volts montées en série, qui nous délivrent donc une tension de 36 volts en sortie. Cette tension arrive par ces câbles-là, au contrôleur fourni avec les roues, qui convertit l'énergie, le courant en courant triphasé, qui ressort par ces trois phases-là. Donc en partie expérimentale, on s'est rendu compte qu'il suffisait de commuter deux phases pour changer le sens de rotation des roues. Et donc on a décidé d'utiliser les deux phases ici, donc la bleue et la verte, et de mettre la jaune à l'écart. La commutation des phases est assurée donc, par la partie commande que Maxime a présentée juste avant moi.
Et donc la partie puissance, je dirais, est assurée majoritairement par le contrôleur qui décide de délivrer le courant ou pas. Ensuite, on peut faire varier la vitesse grâce à ce câble ici qui est relié à la commande, à la poignée ici, donc qui fonctionne à FEO. Maxime vous l'a présenté brièvement avant. Nous avons remplacé cette poignée par le potentiomètre qui est ici. Donc ce qui permet de faire varier la vitesse de la même manière, sauf que c'était pas pratique à placer cette poignée, du coup on a décidé de mettre un... Le courant arrive aux roues moteurs, donc les roues moteurs, pourquoi on a choisi des roues moteurs? Parce que les moteurs à balai sont gros, ils sont lourds, ils nécessitent un moteur réducteur pour pouvoir utiliser une vitesse convenable. Donc on a essayé de les placer, mais c'est vraiment pas pratique et puis c'est vraiment pas esthétique. Donc on a opté pour cette solution. Les roues moteurs sont un système très innovant, c'est récent et qui sont très prometteuses. Comment ça fonctionne? En fait, les roues moteurs sont simplement un moteur brushless, donc composé du stator ici qui constitue le noyau de la roue et le rotor. Donc c'est toute la partie métallisée ici et la partie pneumatique. Donc c'est le fonctionnement d'un moteur brushless classique. Le courant arrive en triphasé, il monte 3 bobines et est dans un champ magnétique par un jeu d'attraction-répulsion permet la rotation de la roue. Pourquoi on a choisi ces roues-là? Parce que leurs caractéristiques correspondaient à ce qu'on attendait d'elles. Elles sont à la base conçues pour supporter le poids d'une personne sur un scooter. Donc elles produisent un couple et une puissance suffisante pour répondre à nos exigences qui sont posées dans le cahier des charges que l'on a confectionné. Ces trois boîtes que vous voyez ici, on va d'abord parler de celle-là. Celle-là est intéressante car c'est en fait la boîte qui contient tout Arduino. C'est la seule partie, j'irais, vraiment automatique de notre déambulateur. Donc on peut en fait compter deux capteurs dirigés par Arduino. Un qui se trouve sur ce dossier. C'est un capteur à ultrasons. Il détecte la présence et calcule la distance entre l'individu qui se trouvera ici et le capteur. À partir d'une certaine distance prédéfinie, le capteur ultrason autorisera la marche avant. Les deux capteurs sont situés dans ces boîtes grises ici. Vous pouvez voir ici un émetteur infrarouge et ici un récepteur infrarouge et ici l'émetteur. Donc ces deux éléments constituent une barrière infrarouge qui autorise également l'avance du déambulateur quand un obstacle passe entre ces deux composants. Et donc l'association de cette barrière infrarouge et de la distance autorisera ensuite la marche du déambulateur. Mais elle l'autorisera grâce à un petit relais qu'on voit un petit peu ici sur le côté. C'est un relais Arduino commandé par du 5 volts. Alors évidemment, il est trop petit et trop faible pour rentrer directement dans notre circuit puissance. Donc en fait, ce relais 5 volts commande un autre relais plus gros, le relais K qu'on peut voir ici. Donc là, maintenant, on passe dans la partie puissance. Alors le relais K, c'est le relais le plus important pour la marche avant. Il faut bien distinguer la marche avant et la marche arrière, car ce ne sont pas les mêmes relais qui sont mis en jeu. Parlons d'abord de la marche avant. La marche avant, l'alimentation passe d'abord par le relais arrêt. Toute l'alimentation passe par le relais arrêt, que ce soit pour la marche avant ou pour la marche arrière. C'est le relais commandé donc par la position 0 de l'interrupteur 3 positions. Donc le relais K est commandé par Arduino. Donc c'est seulement quand les conditions seront réunies que le déambulateur pourra avancer. Il est aussi important de préciser que le relais K commande en plus du circuit puissance normal, commande également la commande du potentiomètre. Parce qu'il faut préciser que pour le contrôle de la vitesse, comme ce sont des moteurs brushless que JB vous expliquera un petit peu en détail après, il fallait absolument en fait un retour à zéro lors de la sélection de la vitesse, comme ce sont des capteurs à effet Hall qui détectent la position de la manette ici qu'on a remplacée par le potentiomètre, la position en fait par rapport à l'axe. Il fallait un retour à zéro qu'on a simulé ici par une coupure en fait, tout simplement. Maintenant, les deux autres relais pour la marche avant, ce sont les relais KM1 et KM2.
Ce sont les derniers remparts en fait avant les roues moteurs et ils sont dirigés par les boutons poussoirs que je vous ai présentés un petit peu avant. Parlons maintenant de la marche arrière. La marche arrière, elle ne prend pas en compte le relais KA et est commandée donc par l'interrupteur de transposition et surtout la position arrière. La position arrière aura pour effet d'ouvrir KFF qui se trouve en fait sur le circuit de la marche avant et qui ouvrira le circuit pour qu'il n'y ait plus aucune commande qui arrive par ce bout là. Et enfin ça fermera les relais KF1 et KF2 qui sont au-dessus du relais KA et qui permettent donc de l'éliminer du circuit. Les relais KF1 et KF2 permettent aussi l'inversion des phases et sont reliés directement au relais KM1 et KM2. Voilà,